Alors bonjour tout le monde, de nouveau avec classe inversée, with Flipped Class for the third week. Inshallah, we start today with the second lesson. We talk about some expression we can use it in French. Last time we talked about some animals, and inshallah today we'll talk about some other animals, and we will use some animals we take it before to make expression in French today. The title of the lesson in page 32 and from workbook page 42 and 43. So the title, avoir une fin de... Que veut dire, what the meaning, que veut dire is meaning, what is the meaning of that. If I won't ask all the time, what is the meaning of, so I must use, que veut dire. Que veut dire, I mean, what is the meaning? Que veut dire, you ask about some word in word, so you must use this question. Que veut dire? Que veut dire une fin de loup? What the meaning of this expression, une fin de loup? We will discover now all this expression now. But if I won't ask about what the meaning of, I say, que veut dire? After that, the person I ask him will explain for me what the meaning of this word or this expression. Que veut dire? To make expression today, I need two verbs. First, verb avoir, verb to have. We take it before in grade 3, but we revise today also. J'ai, like j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans. Tu as, j'ai, tu as, together is j'ai. Tu as, il, la, or elle, la, or on a. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Attention for the last three. Nous avons, we have S after the vowel, so if you remember that, we must see Z. So nous avons, vous avez, the same, ils ont and elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Like j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, for example. So, we need also another verb, but we start with verb avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. For example, I ask you about this question. Tu te sens comment? Tu te sens comment? What about your feeling? Tu te sens comment? I can say comment ça va, I say ça va bien. Or tu te sens comment? I can say ça va, if you want. Tu te sens comment? Ça va, yes, it's good. Or I can use one of this expression. I use verb to have, verb avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. If I talk about myself, I say j'ai. After that, I use one of the word I to expression like I will show you now. J'ai, for example, after that, for example, j'ai froid, like that. J'ai froid. I can say froid, but together is a French people say froid. J'ai froid is meaning I'm cold. J'ai froid. We take it before froid in grade 3. Elle fait froid is meaning it's cold. Talk about the weather. But if I say j'ai froid is meaning me, I am cold. J'ai froid. Or j'ai chaud, we take it also, j'ai chaud, I can say il fait chaud, the weather is hot, or j'ai chaud, it means I am hot. J'ai faim, attention, what is A-I-M, A-I-M in English, or A-I-M in French, we call it in French, and like number one in French, together, the last three letters, together, I say it like number one, and, so I say faim. J'ai faim, it means I'm hungry. J'ai faim. J'ai soif, I am thirsty. J'ai soif. Or j'ai peur. So, j'ai, verb avoir, or I say, I talk about someone else. So, I can use j'ai, or tu as, or il a, or elle a,
or nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. After that, this word to give me expression. So j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif, j'ai peur. So if I will use another verb now, verb to be, verb être. Comment ça va? Qu'est-ce que ça va? Ça va bien? Ça va pas bien? Or verb être with other words like what? Je suis. You know? So here I say sorry. I say je suis. I can say je suis. In the French, the Parisian people say je suis directly or je suis. Je suis. After that, one of the words is one. Je suis content. Je suis content. I am happy. Je suis content. Je suis content. Or you can say je suis content. Je suis content, je suis content. Je suis triste, je suis triste. I'm sad. Je suis triste, je suis triste. I'm mad. So, je suis en colère, je suis en colère. Very, very angry. Je suis en colère. Or, je suis malade, je suis malade. I'm sick. I can say je suis or I can say je suis. But the suis is only for the Parisian people. So je suis content. Je suis triste. Je suis en colère. When I say je suis en, because I have S after the vowel. Je suis en colère. Or je suis malade. I can say il est malade. I can say il est content. I can say nous sommes contents. Yes, you can say that. All the same words, but if it's plural, I will add S only. Except with en colère, will not add anything. So now we can use it the expression. What the relation between this and the animals? Yes, but before we can discover the new animals, before we know some animals, now inshallah we talk about new animals. The first one is very easy. We take it in grade 2. Or get one is oiseau, un oiseau or an oiseau. I have N after the vowel, I must pronounce the letter N. So I say un oiseau, un wa. This one all the time is wa, wa, O and E, wa. After that is O, the last, and the S between two vowels, one S, two C, Z. So un oiseau. Un oiseau, oiseau, oiseau. Or I can say oiseau is a bird, or un oiseau is one bird, a bird, and a bird. After that, un chat, chat. Cheval, un cheval. Look at, I don't pronounce the letter N here because I have consonant letter, it is not vowel letter. It's like exactly in the Quran, I say in Arabic, idhar and ikhfa. So, un oiseau, un chat, un cheval, un loup, look at, the wolf, un loup, un loup, un loup. I don't pronounce the letter P. So here, un loup, O and U together all the time. When I see it, I pronounce it as two O, I say like in English. So I say O here, loup. The same here, boule, une poule, une poule. Attention is poule. So un oiseau, un chat, un cheval, un poule, un loup. Poule also the same, is the same two letters, say double O. So is it chicken? So un chat, un oiseau, une poule, un cheval, un loup. So, what the relation now between this and this? So that the French people used this animal with the expression to give us a new expression or expression more strong. Que veut dire? So que veut dire? What is the meaning of this expression now? Que veut dire? Que veut dire? The answer. Ça veut dire. When I ask, for example, you won't ask me about any word in the table. You don't understand what is the meaning of this word. You say what? Que veut dire, Monsieur Yahya? Que veut dire ça, for example? Que veut dire? I say ça veut dire. After that, I will answer the
this question. Que veut dire? Because you can say, que veut dire ça? Que veut dire ça? What the meaning that? Que veut dire? Ça veut dire. I will answer like that. Ça veut dire. Que veut dire? We'll start with the first one. Que veut dire? Avoir, verb avoir, I use verb avoir with je, j'ai, tu, tu y as, or il a, anyone. Une faim de loup. Une faim de loup. What is the meaning of that? Que veut dire? Que veut dire ça? Ça veut dire j'ai très faim. For example, I talk about this boy. He say j'ai une faim de loup. Is meaning is very very angry, very hungry. So I say, ça veut dire il a très faim. Il a très faim is meaning is very, he is very hungry. Or he eats a lot. For example, this boy, yes, il a une faim du loup. He eats a lot. He eats a lot. Il a une faim du loup. Il a une faim du loup. So, the first expression, que veut dire une faim de loup? Ça veut dire très faim. Ça veut dire très faim or mange beaucoup, mange beaucoup. Que veut dire? Que veut dire? Que veut dire avoir un appétit d'oiseau? Que veut dire avoir un appétit d'oiseau? Attention, un appétit d'oiseau. Un appétit d'oiseau. Un appétit d'oiseau. Un appétit d'oiseau. What does that mean? Que veut dire? Que veut dire avoir un appétit d'oiseau? Ça veut dire. Ça veut dire. What? J'ai pas faim d'un. Opposite. Pas faim. Pas faim. Okay, c'est pas faim. J'ai pas faim. Il a pas faim. Is not angry. Not hungry. Sorry. Or mange pas beaucoup. Mange pas beaucoup. Someone don't eat. If your son or your brother don't eat a lot. So I say il mange pas beaucoup. Or il a un appétit d'oiseau. Like in Arabic, I say. بسيط الأكلة بيأكل شيء بيأكل كتير بيخطف comme on dit like that in Arabic. So que veut dire un appétit d'oiseau? Ça veut dire pas faim. If I don't hungry, I say j'ai pas faim. Or I don't eat a lot all the time, so I say j'ai un appétit d'oiseau. So I don't eat all the time. Mange un peu also little also. So que veut dire un appétit d'oiseau? Ça veut dire pas faim, mange pas beaucoup. That's the meaning that. Or mange un peu, eat a little. After that, another one. Que veut dire, another expression with verb avoir. Que veut dire j'ai un chat, I have a cat. J'ai un chat dans la gorge. Dans la gorge. What that dans la gorge? Dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. It means I can't talk. If I am sick, for example, I can't talk like that. So, que veut dire? Que veut dire avoir un chat dans la gorge? Ça veut dire je peux pas parler. We take it in the first, second week. We talk about what the meaning peu and peut pas. Can and can't. Here, je peux pas, I can't. Je peux pas parler. I can say je ne peux pas parler ou je peux pas parler. Je peux pas parler. Can't talk. Like a small girl, a small boy or if I am sick, I just start to talk, so I can talk good normally if I am sick. So, avoir un chat dans la gorge. Je ne peux pas parler. Que veut dire avoir une mémoire d'éléphant? Avoir une mémoire d'éléphant. Look at the elephant is very, very big head. So,
The memory of the elephant is small or big? Yes, it's very, very small. Que veut dire avoir une mémoire d'éléphant? I can say, j'ai une mémoire d'éléphant. Or, il a une mémoire d'éléphant. If I have a boy, ça veut dire what? Ça veut dire, if I have a boy, he's excellent all the time. He answers all the questions. So, he is very excellent. So, he's very smart. Yes, ça veut dire, il a, if I talk about myself, j'ai une très bonne mémoire. J'ai une très bonne mémoire. He has this very, very, very good memory. J'ai une très bonne mémoire. Or like the children, they, if he is infant, he can remember all what's happened. So I can talk about him. Il a une mémoire d'éléphant. He remembers all what's happened. So il a une mémoire d'éléphant. Que veut dire avoir une fièvre de cheval? Il a une fièvre de cheval. Fièvre is fever. De cheval. So the horse when is very sick is very, very, very sick. So I must say like that. If someone is very, very sick, so I say il a une fièvre de cheval. Is very sick. Ça veut dire il est très malade. Très malade. Can I say je suis or il est très malade? For example, this boy, I say il a une fièvre de cheval. Ça veut dire il est très malade. Que veut dire? For example, I say j'ai une fièvre de cheval. Ça veut dire je suis très malade. Je suis très malade. So we talked about now the most of this expression, the last one. Que veut dire avoir la chair de poule? Look at la chair de poule. La chair de poule. Que veut dire la chair de poule? La chair de poule, ça veut dire très peur. It is very, very scared. I say, et là, la chair de poule. La chair de poule means very, very scared. J'ai très peur. Or, it's very cold. J'ai très froid. J'ai la chair de poule. I don't have anything on my body. I say j'ai la chair de poule. This meaning, ça veut dire j'ai très froid. I don't have, the clothes is not good for the winter, for example. For that, I say j'ai la chair de poule. So I'm not ready to go for any place because j'ai la chair de poule. Ça veut dire j'ai très froid ou j'ai très peur. So we know it now, all this expression, we can talk about extra sooner from the book. Talk about que veut dire, we will listen and we like in the exam in the Delft, we try to know, we talk about which photo exactly. The first one, listen now. Leçon 2. Que veut dire avoir une faim de l'eau? Activité 1. Écoute, dis le numéro et l'animal. Exemple. Il a très faim. C'est le numéro 1. Oui. Très faim. Elle ne peut pas parler. C'est. Elle ne peut pas parler. C'est numéro. Oui, 3. Elle n'a pas très faim. Pas très faim. C'est... Oui, c'est numéro 5. Elle a une très bonne mémoire. C'est... Oui, c'est l'éléphant. Il est malade. Oui. Il a beaucoup de température. Beaucoup de température. C'est le cheval. Elle a peur. Oui, il a peur. Elle a froid. Il a froid. C'est... Oui, c'est le... Voilà. Il a la chair de poule. C'est la poule. Il a la chair de poule. Voilà. We can go to another exam for Delft exam to how we can describe a photo. This photo, for example, one of the exam for the oral exam to give you a photo and talk about this photo. So, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? What are you can see here and to try to describe the photo.
to make it is very easy. We start last year to make like that. So the first one I say je vois, like here je vois means I see. Je vois what? After that, je vois, after that, I describe what I can see. So, for example, je vois une femme, grand-mère, the grandmother, et des enfants, and the children. Une fille et trois enfants, the girl and three infants, or three child. So, I can add another word, another sentence. What they are doing there? Or where the place exactly? See where, what I can see? Where exactly, if I can describe where exactly they do this action. So what they are doing now, yes, ils sont contents, they are happy. I can say I add S after content. Ils sont contents, they are happy. What they do, what they are doing there, ils regardent les animaux. Ils regardent les animaux. Des perroquets et des lions. I can add another other sentence as you like. Where exactly ils visitent le zoo. For example, if you want. So, je vois une femme. All the time I say start with je vois. I see what exactly, the persons. Je vois, after that, the persons. Je vois une femme, grand-mère et des enfants. Une fille et trois enfants. Une fille et trois enfants. Ils sont contents. They are happy. I can say ils sont contents or ils sont tristes. It depends of. We can use the expression that we just to talk about now. Ils regardent, what they are doing, ils regardent les animaux, des perroquets et des lions. So it's all what we have in this week. So we have the last something is dicté concernant what we must know it to write. J'ai très faim comme un loup. J'ai très faim comme un loup. I'm very hungry like a wolf. Mais j'ai un chat dans la gorge. But I have a cat in my throat. Je ne peux pas parler. I can't talk. J'ai très faim comme un loup. Mais j'ai un chat dans la gorge. Je ne peux pas parler. So, merci à vous et inshallah à la prochaine.